Pâle de Vizima, c'était quelque chose. Avec Anna, on en a connu plus d'un. Et on dansait, et on tournoyait. Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. Ça suffit. Peu m'importe comment vous vous y prenez. Mais il faut une livraison par semaine. Vous ne restez pas pour le thé ? Non, mais je vous laisse en bonne compagnie. Ah, notre défenseur des opprimés. Salutations. Les nouvelles vont vite. En effet. En apprenant que vous aviez trucidé mes hommes, j'ai songé à vous faire pendre. Ou fouetter, à tout le moins. Et puis je me suis dit qu'un homme capable de tenir tête à mes coupe-jarrets pouvait m'être utile. Mon utilité. Voilà qui est parlé. Je sens que nous allons bien nous entendre. Suivez-moi. Un détail. Tâchez de vous tenir cette fois-ci. Il me reste à décider de votre sort. Ce qui sera fait après notre discussion. Faites comme chez vous. Bon sang, où ai-je mis cette foutue vodka ? Ah, la voilà. Un petit verre ? Pourquoi pas ? Voilà qui est parlé. Voyons. Foltest mort. Natalis disparu. Foutre Dieu. À la santé de quel témérien peut-on trinquer par les temps qui courent ? À celle de ceux qui lèvent leur verre ? Ça me va. Pour en revenir à nos moutons, je suis Philippe Strenger, surnommé Baron Sanglant par les fesses molles du coin. Gérald de Rive, le boucher de Blaviken pour les fesses molles. Je sais. À dire vrai, c'est l'unique raison pour laquelle je vous reçois. Comment trouvez-vous, Vélène ? C'est charmant ici. Marais, bourbiers, tourbières, ici comme ailleurs. Exactement. Si quelqu'un venait à s'égarer par ici, il serait ardu de le retrouver. Où voulez-vous en venir ? Le deuil a beaucoup frappé dans la région. Qui une épouse, qui une fille. Cessez de tourner autour du pot. Ciri, c'est pour elle que vous êtes ici, non ? Donc, elle est venue ici. Elle s'est pointée il y a quelque temps. Épuisée, blessée. Aussi puante qu'un chien mouillé. J'ai appris par la suite qu'elle sortait du marécage.